Good morning, allez, Eden, tu seras aujourd'hui les Lunishmat, François Fagi Ben Khana, Janine Rud Batfort, Mazam Fridna Klo, Shlomo Ben Shalom, Ishaïa Ben Linda, et Solvanish Lebet Delmar. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étions Maserhet, P.A. Perek, Gimel Mishnah Zain. Akotev Nechasav Shriv Mera, Shier Karka Kol Shehu, Matanato Matana. Lo Shier Karka Kol Shehu, En Matanato Matana. Akotev nechassav levanav vekatav leishto karka kol shehu ibda ktubata. Rabbi Yossi omer im kibla alea afalpi shelo katavla ibda ktubata. On est en rapport avec la Mishnah Vav. On va quitter un petit peu le sujet de la PA pour les deux prochaines Mishnayot, Mishnah Zayin Chet, et après, prochain Perek Dalet, on prendra le cours classique naturel du Delchot PA. Mais pour le moment, dans la Mishnah Dalet, on a évoqué l'histoire avec Rabbi Akiva sur le Karka Kol Shehu, un tout petit terrain, même minuscule, de 1 cm carré même, avec toutes sortes de halakhot qui découlaient de là-bas, devoir de prélever la PA, de laisser la PA, de prélever tout le maasrot, d'écrire prosboul, la manière de l'acquérir. Et du coup, on va entrer dans deux Mishnayot en montrant comment un tout petit Karka va changer, un tout petit bien minuscule même, va changer le statut de plein de choses. On va voir deux cas dans notre Mishnah déjà, avec ce qu'on appelle la Matnat Shriv Mera, le cadeau de l'agonisant, et le deuxième sujet qui va y avoir dans la Mishnah, c'est en rapport avec la Ktouba de la femme, de nouveau avec un homme agonisant. Soit, je traduis d'abord la première phrase, « Akotev Nechassav Shriv Mera », celui qui écrit ses biens, pendant qu'il est Shriv Mera. Shriv Mera, c'est qu'il est couché, mourant. D'accord? En agonisant. La Mishnah me dit, Shier Karka Kol Shehu, s'il s'est laissé un tout petit terrain, eh bien, Matanato Matana, son don est un don, tandis que Lo Shier Karka Kol Shehu, mais s'il ne s'est laissé aucun bien, En Matanato Matana, son don n'est pas un don. Vous avez à peu près rien compris, et c'est tout à fait normal, ça demande beaucoup d'introduction, on va essayer de faire ça très succinctement, c'est des sujets qui s'étudient longuement dans Baba Batra spécialement, il y a plusieurs dapim, mais donc on s'intéresse avec une personne agonisante. Chachamim ont décrété que celui qui veut léguer les biens pendant qu'il est agonisant, il y a plusieurs halakhot particulières, en fait on va dire, on peut réduire ça en fait en deux points très essentiels. D'abord pour donner, de manière générale, lorsque je veux donner quelque chose, lorsque je veux léguer un bien ou quoi que ce soit, si je suis quelqu'un en bonne santé, Baruch Hashem, je dois faire un acte d'acquisition. Si je fais un acte d'acquisition, eh bien, même avec toute la bonne volonté, mais le bien n'est pas passé d'une propriété à l'autre. Il faut toujours faire un acte pour acquérir. Première halakha d'abord, c'est que pour l'agonisant, lorsqu'il est sur son lit de mort, il y a de la halakha, comment définir quoi exactement et tout ça, à quel niveau. Mais il peut donner simplement par la parole. C'est une première halakha qui a sur les Shriv Mera. C'est-à-dire, s'il est sur son lit de mort, il dit allez, donnez ça à telle personne et ça à telle personne. Tout ce qu'il dit, divrei Shriv Mera, kektuvim vechim surin damian. Tout ce que le Shriv Mera dit, ordonne de donner après sa mort, tous ces mots, ils sont kektuvim vechim surin, comme si on les avait écrits sur un shtar, on les avait transmis aussi, directement. Il n'a besoin de faire aucun masse et kinyan, c'est très particulier. Ce n'est pas tellement le sujet de notre Mishnah, on peut juste passer à la deuxième singularité du cadeau du Shriv Mera. C'est qu'un Shriv Mera, donc un agonisant, lorsqu'il donne que c'est bien, qu'est-ce qui se passe si finalement il reprend le dessus et il guérit? Et il se relève sur pied. Eh bien, il faut savoir que s'il a donné tous ses biens, s'il a légué tous ses biens, il les a tous donnés, tout depuis tout de suite, il a même fait des actes d'acquisition, même mieux que ça. Il a tout donné, et qu'après il se relève, et bien dans ce cas-là, on va lui rendre tous les biens. Parce qu'on va dire, c'est simple, il les a donnés parce qu'il était en train de mourir, et il était sûr qu'il allait mourir, il a donné tous ses biens, c'est vrai, même s'il avait des actes d'acquisition, mais c'est évident qu'en réalité, il a tout donné parce qu'il était sûr que d'ici quelques minutes, heures, jours, il ne sera plus sur cette terre. Donc du coup, il a tout donné, mais si finalement il se relève et que maintenant il va avoir besoin de sa maison, il a besoin de manger, il a besoin de dormir, et donc du coup, c'est sûr que tous les dons qu'il a fait, tous s'annulent. Mais à une condition, c'est que
il ne s'est rien laissé pour lui. Si le Shriv Mera, il a tout donné sauf une petite parcelle, qu'il s'est gardé pour lui. Il s'est même gardé, même rien du tout, même je vais vous dire. C'est même pas la peine de laisser un terrain. Il peut même laisser une fourchette. Tu t'es laissé une fourchette. Pourquoi tu te laisses une fourchette? Si tu es sûr que tu vas mourir et que tu donnes tout, pourquoi tu te laisses une fourchette? C'est sûr qu'en réalité, dans sa tête, il se dit que je donne de toute façon. Je garde la fourchette au cas où finalement je me relève, que j'ai au moins ma fourchette pour que tu puisses manger sans salir mes doigts. C'est à peu près ça. L'idée, elle est simple. Dans la mesure où tu donnes tout, pour pouvoir être sûr et certain, à blinder à 2000% que tu as eu l'intention de donner, qu'il a eu l'intention de donner que parce qu'il était en train de mourir, mais qu'au cas où il se relève, il pourra annuler la dette, il faut que ce soit du blindé 100%, qu'il n'y ait aucune faille. Si toutefois, avec son acte d'acquisition, il y a aussi une contradiction, aussi stupide qu'elle puisse être, mais finalement, pourquoi il s'est laissé cette fourchette-là? Sinon, il fallait la donner à son fils. Mais il n'a même pas donné à son fils, il n'a rien, je la garde pour moi. Pourquoi tu la gardes pour toi? Il ne veut pas se faire enterrer avec. Donc il veut quoi? Donc c'est sûr que dans la mesure où on a perdu le 100%, on est tombé qu'à 99% que c'était 100%, on a encore un doute. Dans ce cas-là, le don est un don et il ne peut pas l'annuler lorsqu'il se relève. D'accord? On refait ça dans les mots. À côté de Nechassav Shriv Mera, celui qui donne ses biens quand il est agonisant et avec un acte d'acquisition. Shir Kaka Kolchou, il s'est laissé un karka, un petit terrain même minuscule, de rien du tout, 1 cm², mais il s'est laissé Matanato Matana, son don est un don, tout ce qu'il a donné, c'est donné, ça a été transmis ici à fait acte d'acquisition, et, comme il nous dit le Bartenora, il Kanoumiado, on parle qu'on a acquis de ses mains, mais puisqu'il s'est laissé quelque chose, c'est la preuve que son don, il a voulu donner réellement, peut-être qu'il s'est dit qu'en donnant tout, il allait avoir renouvelé sa chance. Et grâce à ça, il y a plusieurs raisons pourquoi quelqu'un peut faire quelque chose d'aussi stupide. Mais une chose presque sûre, sur laquelle on n'est pas sûr plutôt, c'est qu'il a voulu donner parce qu'il était sûr qu'il allait mourir, parce que finalement, il y a aussi une contradiction. Pourquoi il s'est laissé ce petit bien? Ok? Par contre, l'Oshir Karkakolchou, par contre, s'il ne s'est rien laissé, donc il a réellement tout donné, alors, s'il a tout donné, En Matana, To Matana, dans ce cas-là, ici, se relève, son nom n'est pas un nom. Ok? Fin de la première partie. Deuxième partie. Ça va devenir un petit peu plus subtil, et je vais d'abord traduire, et elle est assez compliquée à comprendre, cette halakha. Personnellement, j'ai toujours du mal, chaque fois que j'ai rencontré cette halakha, j'ai jamais étudié de front et de fond pendant plusieurs jours pour comprendre de quoi ça parle, donc chaque fois que j'ai rencontré, je traduis pour le moment. « Akotev nechassav les vanav » Celui qui est en train de léguer tous ses biens à ses enfants, il est sur son lit de mort toujours, et il dit « Ah, tel fils Réhouven, tu prendras 25% de ça à Shimon, toi selon ta situation, je te laisse de gérer les trucs, ce sera pour toi, toutes les plantations d'olivier. Et l'autre, non. Et en plus de ça, il y en a une dans tout le lot qu'il est en train de donner, c'est sa femme. Les katav leishto karka kolchou, il a écrit à sa femme, et toi, ma chère future veuve, eh bien, je te donne à toi ce petit terrain-là. Donc il a rendu sa femme choutafa avec tout le monde. Donc il l'a donné, il est en train de donner tous ses biens, et à sa femme il lui donne un tout petit terrain. La problématique, c'est qu'en réalité il s'est engagé avec sa femme que le jour où il mourra, eh bien il devra donner à sa femme une somme de 100 000 euros, il devra lui laisser. Là pour le moment il n'a pas parlé des 100 000 euros, il a juste dit je donne tel bien à tel bien à un tel, et tel bien à tel, et tel bien à tel, à tous ses enfants, et lorsqu'il arrive maintenant à sa femme, il dit « Et à ma femme, je te donne ça. » Et la femme, elle le reçoit avec un grand sourire. Elle est toute contente. Elle n'a pas compris qu'elle a tout perdu, la pauvre. « Ibda tubata » Elle a perdu sa ktuba. Elle sera très méchante. Peut-être que... Je traduis aussi Rabbi Yossi, après on explique. Rabbi Yossi, il n'est pas loin. Rabbi Yossi, Omer, Rabbi Yossi nous dit « Attention, imkiblalea » Si même elle a pris sur elle, entre parenthèses, d'être associée avec les enfants, de partager avec les enfants, même s'il ne lui a même pas écrit à la femme, elle a perdu sa ktouba. On reviendra sur le biais ensuite pour mieux l'expliquer un petit peu mieux. Je vous explique l'idée. L'idée, vous avez bien compris là, ce qu'il a écrit, mais il y a une grave problématique. Il a écrit qu'en fait, lui, Yaakov, il est sur son lit de mort, il donne un petit peu à Reuven, Shimon, Lévi et tout ça, et puis il y a sa femme, Léa, qui va rester, la pauvre, elle va rester veuve. En tant que veuve, normalement, il s'engageait à lui donner une ktouba. Et ce qui se passe, c'est que pendant qu'il est en train de léguer tous ses biens à ses propres enfants et pas à quelqu'un d'autre, je vais expliquer ensuite pourquoi. Donc il a donné tous les biens et il s'est soucié aussi de donner une part à Léa. Et Léa, elle est là, elle est à côté.
Et elle est toute contente d'être considérée par son mari comme un de ses propres enfants qui va l'hériter, en fait, qui l'aime les biens. Mais il s'avère qu'en fait, en lui donnant un petit peu, il a économisé beaucoup. Il a laissé tous les biens pour ses enfants. Si jamais il avait rien donné à sa femme, il avait juste tout distribué à sa femme, et sa femme qui est là, à côté de lui, alors la femme attend que Léa, attend que Yaakov décède, et puis après elle va voir les enfants et dit, écoutez-moi, les enfants là, parmi tous les biens que vous avez reçus, moi, débrouillez-moi, ils ont engagé 100 000 euros, vous devez me les débrouiller, vous êtes quatre héritiers, laissez chacun 25 000 euros, ou selon la part du Bechor, peu importe, faites un calcul, 48 000, lui, 20, et puis moi je vais récupérer mes 100 000 euros. Mais là, parce que cette femme-là, elle a accepté, en fait, de prendre une part parmi les frères, il s'avère qu'en acceptant ça, elle a renoncé à son droit de recevoir sa ktouba. Voilà ce qu'il y a écrit. Plus précisément, elle a pardonné à son mari sa dette, entre les lignes. Comme ça, c'est expliqué. Pour mieux comprendre le principe, en fait, c'est assez compliqué. En fait, il y a un point important. Ce qu'elle a pardonné au mari, ce n'est pas la dette elle-même de la ktouba, c'est plutôt le shi'iboud. C'est le fait que les biens soient engagés à recouvrir la dette. Et je m'explique. Il y a, lorsque un homme s'engage sous la ktouba, par exemple, à la ktouba, alors il s'est engagé à donner 100 000 euros à sa femme. Il s'est marié en l'an 5740. On est maintenant en 5784. Ça fait 44 ans, aujourd'hui il meurt. S'il n'a laissé aucun bien, mais qu'il y a 20 ans il avait un bien, la femme va sortir avec ktouba, elle va le voir l'acheteur, elle va dire, écoute-moi, ce bien-là il était hypothéqué pour ma ktouba, c'est le moment de le récupérer. Il y a un shi'iboud, il y a une garantie sur les dettes, une hypothèque, en fait, une sorte d'hypothèque, c'est pas exactement l'hypothèque, c'est encore toujours dans la Torah, mais les biens, ils sont en garantie pour payer la dette. Il n'a pas laissé d'argent, on récupère le bien pour payer la dette. Il y a un shi'iboud, ça s'appelle, un shi'iboud. Ce qui se passe, c'est que la femme, lorsque le mari distribue tout le bien et qu'il donne à part, une part pour la femme spécialement, la femme ne pardonne, n'annule pas la dette de la ktouba proprement dite. Elle annule uniquement le droit de saisir ses propres biens-là en ce moment, étant donné que le mari l'a considéré, il l'a nommé en étant, en quelque sorte, associé avec les enfants, chacun aura une part, et toi aussi tu auras une part avec les enfants. Et donc du coup, pour, en l'honneur de ça, c'est un honneur pour la femme apparemment, comme ça s'expliquait. Alors on va dire qu'en réalité, la femme, elle a accepté de renoncer au droit de saisie des biens. Mais c'est pas qu'elle a renoncé à la ktouba elle-même. Concrètement, il n'y a plus de biens pour payer la ktouba. Mais la conséquence de ça, c'est que si jamais le mari va passer ensuite 5, 8 jours sur son lit de mort, et qu'entre temps il va recevoir un nouveau terrain qui n'a pas été inclus dans l'eau, alors là, la femme, elle pourra récupérer cette ktouba de ce nouveau terrain. Elle n'a pas effacé la dette, elle a juste effacé le droit de saisir les biens. D'accord? C'est l'idée qui est évoquée, et sur ça vient Rabbi aussi. Maintenant, elle va prendre, me dit, sache que même si elle n'a pas fait un acte d'acquisition, si le mari n'a pas donné les biens à chacun en faisant un acte, il a juste dit par sa propre bouche, tel bien, tel, la femme, et la femme aussi, elle recevra un bien uniquement, et bien, même par la simple parole, la femme a déjà accepté de renoncer à son droit de saisir ces biens-là. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov.